Rouen était bien en place. Ouais, ils ont bien résisté, on a beaucoup joué, mais ils étaient en place en défense. Ils se replaçaient plutôt bien, et nous on avait comme consigne de jouer dans le sens, et on l'a pas très bien réalisé en première mi-temps. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils résistent bien en première mi-temps, mais on avait beaucoup de ballons, c'était positif. En deuxième, vous les broyez d'entrée de jeu, il y a eu un discours à la mi-temps, qu'est-ce qu'a fait outre le carton jaune? Bah, il y avait un discours oui et non, mais je pense que c'était dans la continuité. On savait qu'ils allaient craquer à un moment donné, parce qu'on a quand même beaucoup eu le ballon. Et puis ouais, c'est vrai qu'ils étaient à 14, on le savait, donc il fallait d'entrée, marquer des points dès la seconde mi-temps. Vous relevez bien après la défaite de Bayonne, vous avez piqué au vif cette défaite? Ouais, c'était vraiment important, parce qu'on a bien chargé à Bayonne, on s'est emmêlé, surtout devant, on a bien chargé, donc c'était important là de relever la tête pour montrer quand même que voilà, on est capable d'avancer en mêlée, enfin de tenir nos mêlées, d'avancer devant, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien. Les deux supériorités numériques vous ont permis en début de deuxième mi-temps de marquer la deuxième, trois essais pendant que Bourgoin était à 14. Ouais, je pense que c'est ça qui nous a permis vraiment d'enclencher la marche avance. C'était un de moins et à partir de là, voilà, on avance et on marque, c'est vraiment bien. Puis Bourgoin qui a pas eu beaucoup la balle, notamment en deuxième mi-temps, donc c'est difficile pour eux de défendre pour le temps. Ouais, on a eu beaucoup de ballons, on n'a pas beaucoup défendu, c'est vrai, ouais. Donc forcément, au bout d'un moment, quand vous ne faites que défendre, c'est plus compliqué, et donc ça nous a réussi. Merci. Merci.